Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Battle Epic Games Simulator 2. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle bataille. Et cette bataille part d'une histoire terrible. Un matin, un messager est venu voir le Seigneur et lui a dit « Monseigneur, votre royaume est attaqué. » Sa seigneurie a réuni son armée, soit 6000 hommes d'armes comme on peut voir à présent. Plus de 2000 archers, que je vais vous montrer tout de suite. On les voit ici. Ils sont beaux. Il a vidé tout son stock de chevaliers. Plus de 1200. Et enfin, des catapultes, une vingtaine. Et à l'arrière-troupe, il a engagé des mercenaires mongols. Mais, vous me direz, mais contre quoi se bat-il? Eh bien, c'est simple. Une invasion comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Une invasion de plus de 100 000 canards de combat. Excusez-moi. Ils sont beaux avec leur casque, ils sont terrifiants. S'ils en sont ici, ce n'est pas pour rien. Voyons voir si l'âge des hommes va être révolu ou si les canards vont être stoppés. C'est parti! Alors, est-ce que la ligne de front va pouvoir tenir? On peut voir déjà que des canards se font allumer par les catapultes, par les archers. Est-ce que ça suffira? On verra, mais personnellement, j'en suis vraiment pas sûr. On peut voir qu'il y a déjà plus de 1000 morts chez les canards, et ça monte très très vite. Très 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 vite. Mais déjà plus de 1000 morts aussi, presque un dixième chez les hommes. Les catapultes font leur travail. Les mercenaires mongols arrivent vers le nord pour soutenir le front. A voir maintenant si ça suffira. Les archers bombardent. La ligne de front est très mince. Hein. On peut le voir. Plus de 10 000 canards qui ont été défaits. Pendant qu'on peut voir que les catapultes savent très bien viser. 4000 morts chez les hommes. Presque la moitié. Il faut laisser temps. Il faut que la ligne tienne pour que les archers fassent leur travail. On peut voir, hein, c'est très très tendu. Les canards font déjà des percées. Ça va pas être une mince affaire. Un cinquième des canards ont été vaincus. Mais il en reste encore beaucoup trop. Je ne sais pas si les hommes réussiront. Certes, les catapultes font des dégâts immenses et de trop. Mais cela suffira-t-il quand on voit la masse? Les canards se dirigent vers les archers maintenant, déjà. Malheureusement, ça va énormément affaiblir les hommes. Heureusement que les chevaliers tiennent bon. On peut le voir, c'est grâce à eux que ça tient. Allez, mes amis. Qui juste domine en fait. Qui juste domine et les hommes ne pourront rien faire. Et des deux côtés, malheureusement. Des deux côtés, l'invasion des canards se fait. La ligne n'a pas tenu. Après, on peut le voir ici, hein. Le front a tenu, mais pas l'arrière-ligne, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que je vois là-bas? Leur chef? L'immense et l'invincible. Le tout-puissant. Tyrannosaure. Bon, il n'a pas très envie d'en découdre pour l'instant. Je ne sais pas ce que fait cette troupe-là. Il ferait mieux de leur aider, car les humains résistent. 40 000 canards sont décédés. Les archers ont tenu. Mais l'infanterie humaine
et presque réduite à néant. Est-ce que ça va pouvoir suffire? J'en doute. J'en doute très fort. Et pourtant, 1400 hommes restant pour 51 000 canards, ça promet d'être très très juste. On peut voir hein, l'arrière-ligne est brisée. Le front tient, les chevaliers sont là. Mais c'est trop peu. C'est trop peu. Malgré ce plus de 50 000 morts. L'âge des hommes est révolu, je pense, on peut le dire. Et pourtant, le chef des canards n'est même pas sur le champ de bataille. On peut voir hein, les archers qui tombent. Et sans les archers, malheureusement, pas sûr que le front tienne. Et pourtant, hein, pourtant les chevaliers font un taf incroyable. Mais bon... On dit souvent, vos mamans l'ont dit, ne jamais approcher ses doigts d'un bec d'un oiseau. Et on le voit ici, pendant qu'une marée de sang coule. Ah, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Plus que 500 hommes. Et je pense que l'arrière-ligne a été complètement détruite au vu des mouvements des canards. Tel le Seigneur des Anneaux, plus qu'un cercle pour protéger le dernier rempart de l'humanité. Godefroy se bat vaillamment. On le voit ici. Mais Godefroy a été vaincu. À 1 contre 10. Malheureusement, ce n'était pas assez. Et pourtant, ce n'est pas le courage qui manque à ces hommes. Regardez tout ce qui reste. C'est immense, plus de 50 000 canards restants. 42 000 en réalité. Mais une fois encerclés, on le sait, le moral faiblit. Allez, Godefroy! Godefroy 2, Godefroy 3, Godefroy 4. Ah. Et on voit le roi des animaux s'approcher. Pour mettre fin à cette mascarade. On peut voir que beaucoup trop de plumes, beaucoup trop d'oreillers auront été fabriqués dans cette bataille. Mais bon, ça paraît impossible. Et pourtant, ils sont 160 à tenir encore. Et ils tiennent, mais face à un T-Rex, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On en tue un, 10 apparaît. Plus de 120 hommes. Et le T-Rex passe à l'action. Que 80. On voit le cercle se réduit. Plus que 60. Et malheureusement, le cercle est rompu.
plus que 20 hommes. Plus que 5. Et c'est la fin pour l'âge de l'humanité. Les animaux, les canards et leurs chefs auront vaincu. Je vous dis à tous une très bonne journée et tenez-vous au courant, abonnez-vous, mettez des j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Les let's play reprendront très très bientôt. Ciao !